Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure sur Shadow of the Colossus et nous en sommes au Colosse numéro 6. Reviens gros, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il est surexcité, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, gros? Pourquoi tu vas aussi loin? Ça va pas du tout. Donc, on va affronter un colosse qui est qui a soif de destruction et qui n'est pas dénué de raison. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va falloir réfléchir plus que d'une raison, si je puis me permettre l'expression, pour affronter ce sixième colosse. On va voir. Le colosse numéro 5 était très très court, mais je pense que c'était juste le premier colosse aérien. Et pour le prochain colosse aérien, ça sera beaucoup plus long. Et c'est par ici. Alors, j'ai lu quelques commentaires. Apparemment, on récupère des trucs sur les colosses qu'on a tués, mais ça ne sert strictement à rien. Vous savez, quand on retournait là où il y avait le faisceau de lumière, parce qu'on avait tué le colosse à tel endroit, il y avait des sortes de, je sais pas, de l'or un peu, enfin quelque chose qui montrait, voilà, qui pétillait hein, à nos yeux. Mais apparemment, ça ne sert juste à rien. Ça ne fait rien. Donc, bah c'est pas grave, qu'à ça ne tienne, je vais pas me fatiguer à aller là où j'ai tué tous les colosses, histoire de voir, histoire de ramasser quelque chose qui ne sert à rien. Néanmoins, je le ferai en off, il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus, et puis on verra vraiment à quoi ça sert. Donc, c'est par ici. Oh, c'est beau, là on est dans un mélange de... Attendez. Putain, on me parle de fruits dans des arbres. J'ai toujours pas vu, c'est terrible. C'est terrible. Je pourrais augmenter mon endurance ou ma vie. Et j'en ai toujours pas vu. Et ça, c'est assez dingue. Un petit peu embêtant, je vous avouerai. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on continue, les gars, on verra bien. Attendez, on va pas faire un colosse dans la forêt avec tous les arbres et tout. Ce serait génialissime. Et il écrase tous les arbres, ça serait juste fou. Je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais. Ok, on y est. Il est quelque part par ici. Ah non, il est tapis. Je crois qu'il est. Il est Bernard tapis. Donc il doit être sûrement. Sous le sol, peut-être, non? On va le réveiller. C'est peut-être un colosse arbre. C'est magnifique. Regardez la caméra et tout. Elle bouge avec une telle fluidité que moi ça m'étonne encore. Je trouve ça encore incroyable. Ok, non, c'est pas du tout par ici. Ok. Oh, c'est toujours par là. Ah gros, on y va mon poteau. On y va. C'est juste fou avec tous les arbres et tout. Hein. Vraiment. Ok, c'est par ici. On va y aller calmement. Vas-y, Agro. Hop, on accélère un petit peu, Agro, s'il te plaît. Allez! Allez! Putain, mais t'aimes que je te savate ou quoi? Ok, il ne veut pas avancer. J'irai plus vite à pied, Agro. T'es au courant ou pas, là, s'il te plaît? Fais un petit effort. C'est bon, merci. Merci, mon pote. Quoi? Mais il a vu un caillou. Il a vu un caillou. C'était le caillou de trop. Ok, c'est par ici, Agro. Bon, allez. Eh, tu sais quoi? Je suis désolé, mon frérot. Tu sais que t'as été mon cheval sûr, mais là... Ok, il est là-dedans, c'est sûr, info sûr. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, les mecs. On en prend plein la gueule. Ah bah, il faut le dire, on en prend plein la gueule. Qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose qui brille ici. La chance de l'explorateur. Et si je me baisse, ça ne fait rien. Ok. Ok. Ok, bon. De toute évidence, on sait pas du tout à quoi ça sert et je pense que ça ne sert strictement à rien. Je reviendrai si vraiment c'est utile, dites-moi en commentaire. Mais j'ai essayé l'arc, ça ne sert à rien. J'ai essayé l'épée, elle ne me dit rien. Et j'ai essayé de prier, ça ne sert à rien non plus. Je sais pas, peut-être prier ce fluide incroyable qui m'est offert. Donc c'est pas du tout par là, mais j'étais pas très loin en soi. C'est juste de l'autre côté, c'est par ici. De l'autre côté de cette plaine, donc là on est au-dessus de la grotte. Ok. On peut tomber? Ça m'étonnerait. Allez! Allez! Fais un petit effort! Brandis-moi cette épée comme un homme! Ok. Ok, donc de toute évidence, c'est pas par ici. Moi je reprends pas avant, il est fou de bourrer, il commence à me gonfler. Tout le monde qui me gonfle là-dedans, ça va plus du tout. Je sais pas du tout par où passer. Cette grotte, elle est pas, c'est pas par ici. Quelque chose me dit que... Je sais pas, putain, c'est tellement bas, c'est tellement grand aussi. On va pas s'en plaindre. Tiens, ça doit être par ici. Ça doit... Allez, dépêche-toi. Agro, s'il te plaît. Allez, c'est chiant, là. On a l'impression de faire de la bicyclette dans GTA, frère. Voilà. Petite accélération, hein, ça mange pas de pain, Agro, hein. Un petit effort. Hop, stop, allez. Tu m'as gonflé.
Hop, toi j'ai plus envie de te voir. Ah, c'est ça les fruits. Ok, c'est la première fois qu'on voit donc des fruits. Ok. J'ai fait tomber deux fruits. Qui sont... Mais... Non, mais il est con. Ok, c'est bon. Non, non, mais c'était terrible, là. Hein. C'était terrible. Hein. Ça arrive qu'à moi. Hein. Non, allez, fais pas le gars. Vas-y, maintenant, mon pote. Oh là, ça commence à devenir compliqué, les gars. Là, vous m'aidez pas. Personne ne m'aide, ici. Personne ne m'aide. Allez, allez, allez. Arrête. T'abuses. Bon, attends. Ça me gonfle, déjà, le fait de voir... Bon, allez. Tu mérites d'être en souffrance. Tu mérites totalement d'être en souffrance sur 4 générations. Bah oui, forcément, les fruits. Les fruits, moi, c'est les fruits que je veux, moi. Je veux manger du fruit, bordel. Donc, je vais tomber comme un bâtard. Ok. Je me suis totalement fait biaiser, si je peux me permettre l'expression. Donc, mes fruits sont bloqués là-haut. Et je vous avoue, là, que ça m'énerve un petit peu, quand même, hein. Allez, c'est par ici. Bon, bah, gros, forcément, il peut pas me suivre. Oh, il y a un arbre. Un arbre, hein. Pas deux, un arbre, les gars. On va voir à quoi il mène. Ok. Sûrement au colosse. Mais j'ai pas mon cheval. Ok, mon cheval m'a trahi bien plus d'une fois, si je peux me permettre. Attendez. Oh là là. Oh là là. Je l'ai vu. Je l'ai vu, mon pote. Ah, donc ça, c'est la vie. Très bien. Très bien. Donc ça, c'est le fruit qui redonne plus de vie, qui augmente sa vie maximum. Fruit de la terre. C'est beau. Hop, voilà. Bon, c'était le seul. C'était le seul, par contre, il y en a deux qui sont restés derrière. Je les ai encore en travers de la gorge. Ah bah, je vais pas vous mentir que ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est parti, on va récupérer très vite son épée. Sait-on jamais. Toujours garder l'épée au cas où j'arrive à monter dessus très rapidement. C'est pas possible, il y a personne là. Il est où ce colosse? Il faut aller le chercher au fin fond du... Fin fond de la Bretagne, c'est quoi? C'est... Un petit 360 noscope, on apprécie. Non mais attendez. Une sombrerie encore, on a là. Quelle est cette sombrerie? Oh là là. Oh, je suis pas du tout sur le bon chemin, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et ça, ça fait mal. Et ça, ça fait mal. Je crois que je suis pas du tout sur le bon chemin. Coup dur. Pour le joueur franco-malgache. En fait... Aïe. Allez, agro. Je sais pas par où t'es venu, mais on va aller visiter. C'est l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Hop, 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 c'est là. Agro. Bouge pas. C'est totalement par ici. C'est terrible. Oh, d'accord, on passe à la forêt au... D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas passer de la forêt au désert. Ça me va. C'est par où maintenant? Ah ouais, non mais mec, il est tellement loin. Je sais pas ce que je vais affronter. Peut-être un... Comment on peut appeler ça? Un ver. Un ver des sables, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? En tout cas, je pense qu'il sera très grand. Vu qu'on est dans le désert. Mais c'est bizarre qu'il y ait autant de... De zones... désertique. Alors, Fufu m'a expliqué un truc. Apparemment, les développeurs avaient prévu 20 colosses. Un truc comme ça. Et ils n'ont pas eu le temps, donc ils en ont fait que 16. Et c'est pour cela qu'il y aurait des endroits totalement déserts à traverser. Et normalement, ils devaient se passer... Waouh ! C'est ma petite... c'est ma doublure cascade, comme chaque épisode. Et apparemment, c'est pour ça, tout simplement, que on a des endroits où il ne se passe strictement rien. C'est normal. Pas de panique alors. Ok, c'est pas ici. Hein. J'ai pas envie de me bourrer. Ah, c'est la première fois qu'on a une petite phase de... d'exploration bien sympa. Plaît-il ? Attends, on va se... Faudrait pas juste l'amener dehors peut-être, non ? Ah, ça serait cool ça. Mais non, ça serait un petit colosse vu les couloirs. Ok, ça y est. Nous y sommes les amis. Le 6e colosse. Bientôt la moitié. Ok.
Donc on est au bon endroit, ça c'est sûr. Par contre... c'est terrible. Elle est juste tout en bas en fait, d'accord. Ah! Ok. Voilà. Hop, c'est pas mal. Ensuite, on fait quoi? On va sur le côté. Allez. Voilà. Oh là là, ça, ça va être un très gros colosse. Nous y sommes. Ok, soit... il fracasse la porte, soit la porte s'ouvre. Ça peut être aussi une alternative. Qu'est-ce que c'est? Oh, il fait stresser celui-là. N'oubliez pas qu'apparemment, il est très agressif. Ok, il a une bien belle barbe celui-là. C'est très bien. Ah oui, il est très grand. Waouh. Waouh. Ok. Je suis déjà dessus, merde, j'ai pas pu aller dessus. Oh, quelle horreur. Ok, je peux déjà aller dessus. Allez, vas-y, viens. Viens, mon pote. Ah, j'avais pas prévu ça. Ok. Allez, c'est ça, fourrir, hein, faut que je m'accroche. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Vas-y, viens, tape moi. Allez, gros. Bah ouais, mais t'es un colosse. Le problème, c'est que tes mouvements sont super lents. Qu'est-ce qu'il va faire? On l'appelle le colosse chiant. Mais... et moi, je fais... oh là, je trébuche, je trébuche. Je divague, je divague. Ah! En fait, peut-être que ça sert à rien de monter. Ah non, mais je suis low HP, réellement, sincèrement. Qu'est-ce que je suis low HP alors que tout à l'heure j'ai failli monter dessus? C'est terrible. Ok. Allez, s'il te plaît. Dépêche-toi, mon frérot. Ok. Ok. C'est bon, je suis dessus. Oh la vache. Waouh! Arrête! Pourquoi tant de haine? Aïe! Oh, ça va être terrible. Je peux rien faire en fait. On est d'accord que ici sur son bras, ici même, en ses bas-fonds, je suis totalement mort. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, c'est un échec, c'est totalement l'échec. C'est pas grave, c'est pas grave. Casse la tienne, ou comme on dit, on continue. J'aurai ma revanche un jour, je l'aurai. Ok. On va essayer de le faire calmement. Bon, de toute évidence, c'est pas ce... ah oui, mais toi, tu t'en bats les couilles. Là, je suis dans. Ok. Non, lâche. Lâche, je vais prendre ce que je mérite, ça va être terrible. Ok. Ok. Bon, le truc au milieu, il sert pas à rien. Et le truc, ici, ne sert pas à rien non plus. Soit il faut faire... le tour au milieu pour essayer de monter sur sa main. Soit il faut rester ici et peut-être le provoquer. J'en ai... oh. 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 On est sur la barbe du Père Noël. On est sur la barbe du Père Noël. On y est, les gars. Ok, je crois que c'était au sommet de son crâne, hein. Il me semble, le point faible. Ah. Ok. Aïe! C'est bon. C'est au sommet de son crâne. Allez. Toi, tu prends ce que tu mérites. C'est pas fini, mon pote. C'est pas fini, mon pote. Ça va disparaître, hein. Info sûre. Je connais bien.
C'est pas fini. Quoique, on a fait tellement de chemin pour arriver jusqu'ici. Ah, ça a totalement disparu. Coup dur. Ok. Ok, maintenant c'est plus bas. Aïe. 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 C'est rien. Ok. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Aïe. M'arrêtez, monsieur. Laissez-moi tranquille. On est bon, on est bon, on est bon. Pas de panique. Voilà. C'est bon. Aïe. Putain. Non mais en vrai, t'es démembré fois 100, le bordel. Ok, c'est bon. Allez, ça dégage. C'est la fin pour lui. Il était chaud, il fallait aller le chercher loin, celui-là. Il fallait avoir la dalle. Aïe. Ok, on y va. Aïe. Aïe. Laissez-moi tranquille. Oh là là là. Oh, ma vie est tellement nulle. Allez, ça dégage. C'est la fin pour ce colosse. Passons à la suite. Et de 6, vous savez quoi? Parce que ici c'est le beau jeu, on est parti pour le 7ème colosse. On va le faire dans cette vidéo. Alors le 6ème était pas trop lourd, j'ai perdu peut-être... Allez, si je dois dire mes défauts, j'ai perdu un peu trop de temps. Au milieu, là où il y avait la sorte de grosse réceptacle, la poutre, appelez-le comme vous voulez, on s'en bat les couilles. J'ai perdu beaucoup trop de temps parce que je pensais qu'il fallait juste se cacher dedans, tourner autour, alors que pas du tout, mais peut-être qu'il y a une astuce à faire avec... Je ne sais pas exactement, quoi qu'il en soit, aucune vraie difficulté pour celui-là, mais il était très sympa, voilà, c'était une sorte de gorille, on sait pas trop ce que c'était, gorille à barbe, en tout cas, c'est un bien beau colosse, il était très très beau, j'ai adoré. Ah, faut peut-être retourner par là, ok, faut même sûrement retourner par là, ça c'est pas mal, donc on y va les amis, direction le 7ème colosse, et je pense que c'est une sorte de serpent. Un serpent qui va pouvoir frémisser sa belle queue, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. C'est vrai qu'il y a des colosses qui ont quand même tout de même une très belle queue qu'on apprécie. Je pense qu'il est pas très très agressif, mais il est très long. C'est par ici que ça se passe. Pour que la vidéo rentre dans les standards, c'est-à-dire plus 30 minutes que 45 minutes, vu que je sais pas encore ce qui m'attend et je sais pas si je vais galérer. Vous vous doutez bien que le 6ème colosse, si jamais c'était trop long, les phases entre guillemets de galère, j'en retire quelques-unes, histoire que vous, ça vous paraisse pas trop chiant. Allez, désolé, deuxième colis que je reçois dans cette vidéo. Ça commence à faire, et en plus c'est même pas des colis pour moi, c'est pour le voisin, et ça c'est encore plus triste. On est parti donc, on devait affronter notre serpent. C'est par ici que ça se passe à mon avis. Mon avis, c'est juste au bout du désert. Et ah, peut-être même que c'est dans le désert, parce que le précédent n'était pas dans le désert. Je pense que c'est dans le désert, totalement. Ok, c'est par ici alors. C'est par ici, je suis désolé Agro de te taper comme ça. Mais là, faut qu'on y aille, hein. Ah oui, mais je sais, mais c'est là, c'est...
Tu veux la réveiller ou tu veux pas la réveiller, quoi, tu vois? Putain, mais c'est pas mal. Ok, donc c'est juste ici, très bien. Attendez, c'est totalement pas ici. Ok, hey, ils sont de plus en plus loin, les colosses, hein. Faut faire une sacrée trotte maintenant. Je sais pas vous, mais un petit peu compliqué cette histoire. Ok, stop. Stop, 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 stop. C'est le seul petit chemin là-haut. Et je pense qu'on va y aller sans aggro. Parce que les gars, aggro, je le connais bien, il est claustrophobe. Ça lui réussit pas trop ces trucs là. Ouais, c'est totalement par ici. Très bien. D'accord. Donc il est dans l'eau. Très très bien. On y va. Regardez comme c'est beau. Je suis toujours choqué de cette beauté. C'est de toute beauté. C'est parti. Vas-y, fais-moi rêver. Il va faire 14 1000 mètres de long. Ok, c'est pas ici. J'ai un petit moment de frisson, je vous avoue. Ok, hop. Donc, faut monter ou descendre? On va essayer de monter. Je risque fort d'être déçu. Oh, je vais être déçu, oui. Oh, vous sentez cette déception? Attends, on monte. C'est haut, quand même, là. Alors? Ah, bah, c'est la déception, je vous l'avais dit. Je prends un raccourci? On prend un raccourci. Allez, go! Bon. C'est bon. Donc, il faut descendre pour qu'il se manifeste. Ah, d'accord. C'est... Ah, merde, comment on appelle ça? Une anguille électrique, un peu. Vache. C'est une belle anguille qu'on a là. Une anguille avec de belles moustaches. Tout à l'heure on avait la barbe, là on a la moustache. Ok. Ça va être compliqué s'il m'attaque. Je suppose qu'il peut sauter. C'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Mais c'est de l'électricité. On va essayer de le taquiner, voir un peu ce qu'il va nous dire. Ok, il sort pas du tout de l'eau. Très bien. Est-ce qu'il faudrait pas par hasard? Oh, il va me bouffer. Oh, il va me rail le con. Oh, il va me rail le con. D'accord, ok. C'est pas... Putain, c'est ça ta plongée, frère. On est pas bien. Ah oui, d'accord, mais va pas aussi loin. Ok. Il a pas l'air très très dur, il a l'air même un peu trop simple, si je peux me permettre. C'est bon, je l'ai attiré. Allez, maintenant on tourne au mort. Ouais, montre-moi ce que tu fais. Ok. D'accord. Ah yes. D'accord, 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 j'ai compris. J'ai parfaitement compris. Donc au bout de son attaque, c'est sa queue qui ressort, si je peux me permettre. Je vous avais dit qu'il aurait une belle queue celui-là. C'est sa queue qui ressort et c'est là qu'on va pouvoir s'accrocher. Allez, c'est parti. Régale-moi. Ok. Non. Je vais ranger mes armes. Vas-y, je suis là, mon pote. Il m'a toujours pas vu, hein. Il est totalement aveugle. Allez. Là, peut-être m'a-t-il vu, je ne sais pas. Yes, il m'a vu. J'ai sauté. Waouh! C'est un beau demi-tour qu'il nous propose là. Oh, quel joueur! Allez, on court. Hein. On tourne au long mort. Je localise, je localise. Non! Merde! Allez, on saute encore. On va y arriver, hein! On va y arriver à la prendre sa belle queue! Je suis là, mon pote! Je suis comme un poisson dans l'eau, si je puis me permettre. Elle est pas dure, hein, mais faut juste réussir à monter là-dessus. Mais est-ce qu'on va aller vraiment sous l'eau? Ce serait incroyable. Allez, je fais la page, je bouge. Regarde, regarde comme je bouge bien. Regarde comme je... Rémousse dans la mousse.
Je sais ce qu'il faut faire. Attraper la queue du colosse, sans déconner. Allez, 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 je suis là, mon pote. Allez, un petit effort, mec, on va pas rester 8 ans. C'est ça le problème des colosses, c'est qu'ils sont lents, en fait. Ah, si tu foires le train. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On attaque. Ok. Allez, vas-y, viens, mon pote. Ouais. J'arrive à localiser son attaque. Voilà, on est dedans. Ok, putain, le bordel. Alors là, c'est un sacré bordel. On y va. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il va à la surface maintenant. Très bien. Très bien. On va rester accroché. Ok, je prends ce que je mérite, là. Je prends totalement ce que je mérite. Faut aller à la surface, monsieur. Faut aller à la surface. Allez, 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 allez. Hop. Ok, on est reparti, on va avancer comme ça, petit à petit, à tâtons si je puis me permettre. J'adore marcher à tâtons. Ok, on continue. Quoi ? C'est rien. Et de 1. Et de 2. Ok. Et de 3. Ah putain, mais sérieux, je suis pas dedans. Quoi? La plaie s'est refermée. Ce n'est plus une plaie béante. Par contre, il n'y a plus d'électricité. D'accord, la plaie s'est totalement refermée. Ok. Et de 2, donc, je disais. Bon, là, ça va éteindre son électricité. Très bien, on continue. Ah, faut pas le prendre. Ok, on replonge. Sous l'océan. Sous l'océan. Oh putain, il va rester. Oh non, fais pas le con. Fais pas le con. Fais pas le con. Fais pas le con. Non. Non. Oh non. Ok, ça doit être volontaire. Allez, faut remonter maintenant. Ok, ça doit être totalement volontaire. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux. On est reparti. Je pense que maintenant, faut aller sur son crâne. Mais alors, attendez, il a combien de points faibles? Je pense après même, il faut revenir sur sa belle queue. Ok, va falloir qu'il revienne. Va falloir totalement qu'il revienne, mes amis. Allez, on est là. Allez, mon pote. Fais-moi rêver. Allez, fais-moi rêver. Attaque-moi. Offre-moi ta plus belle attaque. Ok. Troisième vague. Allez, on y va. On y va encore et encore, on continue, c'est pas grave, on a réussi à le choper en plein vol. Bon, ça me paraît compliqué cette histoire, hein, parce qu'il faut que j'aille sur son crâne très rapidement. Faut pas que je perde de temps. Allez, hop, on y est. Ah, on se rapproche. On se rapproche à la vie, c'est bon, ça va sortir. Oh, il est très très beau celui-là aussi. Hein. C'est un beau colosse qu'on a là. Hein. C'est un très beau colosse qu'on a là. On y va, on continue. Ça fait des petites vagues, si je peux me permettre. Ok, on continue encore. Allez, cette fois-ci tu ressors, s'il te plaît. Fais pas le con, je te fais confiance. Allez. Aïe, c'est rien. C'est rien, il va ressortir totalement. Allez, ça dégage. Ça, c'est beau, ça. C'est un beau coup qu'on a là. Ok.
C'est bon, j'ai son dernier point faible normalement. Allez. Ok, on est bon. Moi j'ai cru que j'avais lâché. Un petit moment de frisson, si je peux me permettre. Ah ! Vache, il me laisse rien faire, c'est terrible. Il me laisse rien faire ! Il me laisse ! Laisse-moi ! Vie nul ! Ok, je suis à côté. Hein. Je suis totalement à côté, c'est terrible. Hein. Je ne sais plus où j'habite. C'est beau ça! Allez, plus qu'un petit coup. Et c'est terminé pour lui. C'est la fin de ce 7ème colosse. Et ça, c'est cool! Boum! Ça dégage! Bien joué, les amis. On a réussi à vaincre 2 colosses dans cet épisode. Et c'est une pluie d'éclairs. Ce colosse était très, très, très sympa à faire. Allez, on va attendre que l'ombre s'empare de moi. Peut-être qu'elle ne veut pas. L'ombre ? Oh, ça va me tacler, ça va me faire flipper cette histoire. Parce qu'on sait qu'elle va arriver, tu vois ce que je veux dire ? Oh, et voilà, j'ai pas pu, ça m'a fait sursauter. Ah, oh, c'est terrible. Ok, il peut donc escalader les murs. On verra ça bien évidemment au prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On a fait le colosse 6 et 7 et ils étaient très sympas. J'ai bien aimé. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. À bientôt tout le monde.